Et bien salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran, aujourd'hui on fera une nouvelle unboxing de quelque chose qui est juste ici. Allez, c'est parti. Donc à savoir que cet article, je l'ai vraiment acheté pour moi. Si vous risquez, ce que je veux dire c'est que vous risquez de ne pas le trouver dans le commerce malheureusement. Donc comme d'habitude, un petit sachet. Et là, on va avoir quelque chose que je n'ai encore jamais eu en AG2R la mondiale et en fonction route. C'est juste ici une combinaison AG2R la mondiale en route, donc avec le bas en cuissard, hein, une combinaison classique quoi. Des poches dans le dos, puisque j'avais déjà présenté une autre combinaison cette fois-ci de contre-la-montre et il n'y avait pas de poche dans le dos. Et je me suis remarqué que c'était vraiment pas utile du tout, à part vraiment ce contre-la-montre. Donc je me suis décidé à acheter une combinaison de route. Sachant que neuf, cette combinaison coûte 162 euros, je crois. Je vous mettrai le prix à l'écran juste ici. Donc, encore une fois, comme vous pouvez le voir, à Factor et AG2R Mondial, c'est un maillot de 2018. Aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est l'ancienne génération par rapport à la génération 2021, où franchement, personnellement, j'aime pas du tout le maillot. Là je préfère beaucoup mieux, je trouve que le bleu, le marron et le blanc se marient bien ensemble. Donc des manches qui descendent très très basses, contrairement aux manches de mon maillot que je vous montrerai juste après. Voilà. Ici pareil, alors, toujours un peu difficile de montrer du textile. Factor est de l'autre côté, on va retrouver AG2R la mondiale. Donc voilà, vraiment un classique de 2018. À l'intérieur, élément très important, puisque cette combinaison est issue du service course, c'est très important, surtout chez les professionnels, d'avoir la poche pour la radio juste ici. Donc c'est des poches rotées, hein, normales, avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, non, on ne voit pas bien ici, là, en fait il y a du silicone pour tenir la radio. Et dedans on a la radio avec une couture invisible vue de dos. Mais de dos, on voit qu'il n'y a rien. Alors pourquoi qu'il y a la poche radio là, on peut l'avoir à côté au niveau du tissu un peu ultra mèche aérée. Donc voilà, quoi, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ici on va retrouver une peau classique. Une peau rosti, hein, toujours conception aussi. Et donc moi, je vous propose de mettre en pause et je reviens dès que je l'ai enfilé. Et voilà, donc on se retrouve avec la combinaison enfilée. Comme vous pouvez le voir, elle me va à merveille juste ici au niveau des manches. Ça va vraiment bien venir serrer le bras pour aller toute la bouche et avoir une belle marque de bronzage. Ici, le style AG2R la mondiale commun un peu à tous les maillots 2018. La manche qui descend un peu plus long que le maillot. Ça, c'est pas une beauté, je le savais en achetant une combinaison. Ici, on peut retrouver Factor. De l'autre côté, AG2R Mondial, logique. Avec le tissu ultra aéré. Là, on peut voir la radio, mais c'est la radio, oui, mais c'est vraiment très peu visible. Alors, moi, ça me plaît pas du tout. Au niveau du cou, elle est peut-être un petit peu. Le cou est peut-être un petit peu trop large par rapport à mes mensurations à moi. Ici, on va retrouver un devant qui sert vraiment bien, c'est super agréable à porter. Pareil pour le dos avec les deux poches ici, je ne sais pas si vous allez le voir. On va retrouver aussi un cuissard. Bon, cuissard, je n'ai pas besoin de vous le montrer, hein, c'est le cuissard basique AG2R la mondiale, quoi, comme je vous en ai déjà présenté. Donc je m'excuse pourquoi il n'a pas eu de vidéo en ce moment, j'ai été beaucoup occupé, sachant qu'en ce moment je ne peux plus faire de vélo non plus car je suis malade. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, donc je m'en excuse et j'essayerai de vous faire de plus en plus de vidéos pour essayer de rattraper celles que malheureusement je n'ai pas pu faire pendant ces périodes-ci. Donc je suis vraiment désolé. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !